Nicole Amine et Martine Billard. Ouais. Merci, cher Marie-Jo, de nous avoir permis d'organiser cette rencontre. Merci à la ministre Roselyne Bachelot et à vous-même, Madame la Présidente. Je serai très brève. Je voudrais saluer le fait que vous évoquiez cette dynamique économique que représentent les femmes dans ce contexte de sortie de crise mondiale, et c'est très important. Je voudrais saluer l'exemple que vous avez donné vous-même en Amérique latine, qui est un continent aujourd'hui qui est en plein développement. Et puis, je voudrais insister sur deux points. Je dis, Madame la Présidente, je devrais le dire à deux titres, puisque je suis élue experte aux Nations Unies dans le cadre du comité CIDO. Et vous avez rencontré Madame Pimentel il y a peu de temps, et nous espérons vous voir à New York à notre prochaine session. Et il y a deux sujets qui sont particulièrement préoccupants. C'est la question des femmes victimes de violences dans les conflits. Je voudrais vous parler de la Côte d'Ivoire et je voudrais vous parler du Congo. Il est inadmissible aujourd'hui de laisser se commettre des crimes contre l'humanité dans ces parties du monde. Et nous avons un devoir de responsabilité ici en Europe sur ces terrains. La France vient de publier son plan Femmes et conflits. Et ce plan est excellemment pensé. Et je crois qu'il faut que nous le diffusions d'une manière très systématique. Mais au-delà de cela, je pense qu'il faudrait que, au poste où vous êtes aujourd'hui, que nous puissions promouvoir aussi la convention CIDO dans ces pays pour que, comme vous l'avez très justement dit, ces femmes puissent être bénéficiées de la réparation qui passe par le procès et puis surtout aussi ensuite d'une logique d'association. Et puis je voudrais insister sur le deuxième point qui me préoccupe beaucoup, c'est le trafic d'êtres humains dans le monde. Aujourd'hui, il y a un marché qui dépasse de très loin celui de la drogue et des armes et qui est un esclavage moderne à l'échelle de continents entiers. Il faudrait que nous puissions aussi faire de ce trafic un crime contre l'humanité. Merci.